اختلاف في وجهة نظر بيننا وبين هؤلاء، أن هؤلاء يروا في الحرية والعدالة والمساواة يروها على النمط الغربي والغربي فقط. لكن نحن يبدا ان لا ننسى ان الجزائر والجزائريين مسلمون وينتمون الى حضاره عريقه هي الحضاره الاسلاميه، فالحريه والمساواه والعداله لابد ان تكون وفق ما جاء به الشرع الاسلامي والحنيف، ليس كما تمليه علينا الانظمه الغربيه او غيرها من الايديولوجيات الاخرى. Les préparatifs des élections législatives avançaient et il devait y avoir deux tours à 15 jours d'intervalle. Mais les résultats du premier tour ont été un choc pour le FLN et pour l'armée. Le peuple avait voté pour le fils. En l'espace de quelques jours, le gouvernement a annulé le deuxième tour de scrutin, interdit le fils, arrêté de nombreux chefs islamiques, envoyé l'armée dans la rue et décrété l'état d'urgence. Depuis lors, la violence fait partie du quotidien. En 23 mois, 3000 personnes ont été tuées, dont 600 policiers ou membres des forces de sécurité. Les autres étaient des terroristes, affirme le gouvernement. 5000 personnes ont également été arrêtées et sont en prison ou dans des camps d'internement dans le cadre de la lutte antiterrorisme. Selon les intégristes, le régime répressif en place est seul responsable de toute cette violence. Ils affirment que l'annulation des élections était une déclaration de guerre à l'islam. أن الطغمة تقاتل الشعب، إذن الشعب لا بد عليه أن يقاوم ويجاهد هذه الطغمة. Les démocrates comme Jaout ont pourtant semblé approuver l'annulation des élections et l'interdiction du fils. Quelle que soit l'importance du Front islamique du Sahel dissous, on ne peut pas dialoguer avec ce parti, quelle que soit son implantation sociale, son idéologie totalitaire, fait qu'on ne peut pas dialoguer avec lui. C'est comme le problème du nazisme, le problème du fascisme, quelle que soit l'implantation de ces deux idéologies, il fallait les combattre, parce que c'est des idéologies négatrices de tout ce qui fait la valeur de l'homme, de tout ce qui fait la démocratie. Je ne suis pas d'accord avec les démocrates qui se trouvent dans la dababa pour annoncer la démocratie. La démocratie est l'écoute de l'autre côté, هي الحوار مع الطرف الآخر، هي الخضوع للواقع، القبول بأن يكون أقلية والقبول بأن يكون الطرف الآخر أيضا أقلية دون أن يقضوا عليه. Nous sommes arrivés à une situation économique, une situation sociale extrêmement explosive à travers une gestion centralisée, une gestion planifiée de l'économie. La croissance a été complètement bloquée. Or, Tahar essayait d'expliquer tout cela. Expliquer tout cela pour dire finalement que l'intégrisme a, si vous voulez, utilisé la misère des gens, la corruption qui existe dans notre pays pour que cette idéologie prenne racine. Il était aberrant que des religieux fassent de la politique sur le dos de la misère du peuple. Il était de ceux qui considéraient, peut-être était-il en avance dans son temps, il était de ceux qui considéraient que la religion ne devait pas être un terrain pour le jeu politicien. Tahar Jaout
وكثير من المثقفين لم يدركوا إلى حد الآن ما يجري حولهم، لا في الجزائر ولا في العالم العربي، ما يزالون يعيشون في خمسينات وستينات. الظروف التي جعلت انتشار التيار الإسلامي في الجزائر عديدة. أولا وقبل كل شيء هناك رد فعل حضاري من طرف مجتمعات مغزوة من طرف الآخر، من طرف حضارة نقول عنها بنقوصين أنها غربية أصولية، هي رد فعل لانتشار وسائل الاتصال، انتشار فاكس، تليفون، تلفزيون، البارابول، الطائرات السريعة التي تنقل الناس، أيضا احتكار الغرب المصنع لإنتاج المواد الاستهلاكية، هي نوع من رفض الوجود الآخر. En janvier 80...